suis un peu les élections américaines, hein, comme beaucoup de gens. Bon, je savais que Donald Trump était un petit peu, on va dire... Mais là, alors qu'on arrive à la fin, qu'on va savoir dans quelques heures ou dans quelques jours qui sera le nouveau président des États-Unis, c'est... Alors là, c'est la cerise du pompon sur le gâteau, le mec. Alors là, il pète ton casque, qui se touche. Oh, il est dans un état, le mec. Alors non, mais... Il implose et il explose en même temps, le mec. Hein. Oh, flippant. Hein. Ah, j'aimerais pas être un de ses proches. Hein. J'aimerais pas être dans sa tête non plus. Hein. Il doit y avoir un merdier là-dedans. Alors, soi-disant qu'il aurait attrapé donc le virus du Covid, il y a que temps. Hein. Mais c'est sûr que le virus, quand il est rentré à l'intérieur du bonhomme, et qu'il est monté jusqu'à la tête, et qu'il a senti cette rage, cette colère, cette haine, cette envie de violence, de vengeance, que le virus, il a flippé. Il s'est cassé, hein. Il est pas con, le microbe. Il s'est dit, je vais me faire défoncer avec un mec comme ça.